Bonjour. Bonjour. C'est nous, donc Mademoiselle Manjavit Jenny et Madame Hernandez Angélique, qui est élue conseillère déléguée à la commune de Pennes-la-Jolie. Mademoiselle Manjavit, qui est directrice du pôle enfance. Donc nous sommes à J-1 avant la rentrée scolaire. Donc ici, on est là pour vous présenter un petit peu les écoles publiques et notamment Jean Moulin. Angélique, tu peux nous dire quelque chose sur... Écoute, Jenny, je pense qu'on a fait le tour. Tous les petits travaux sont achevés. On est prêt à recevoir tous les petits élèves de pour Jean Moulin, voilà, les nouveaux CP. Et puis, écoute, on va peut-être se diriger dans la nouvelle classe avec le nouveau matériel. Allez, on va voir. Merci, allez. Si vous voulez bien nous suivre. Bon, ben voilà, Jenny, nous voici dans l'une des classes avec le nouveau matériel. Petit bureau ajustable, parfait pour tous les élèves, grands, petits. Voilà, on est au point. Donc, en termes de nouveau matériel, Olivier, tu peux nous dire qu'effectivement, une classe a été... A été tout à fait modifié avec ses anciens bureaux, avec des nouveaux bureaux, voilà, avec les casiers dessous, voilà, qui sont très bien. C'est qui montre effectivement la dynamique en fait de la commune de Pennes pour effectivement les écoles. Donc ici, vous avez aussi le nouveau guide du petit écolier pour l'année 2017-2018, guide qui reprend intégralement tout ce que fait la commune en termes de périscolaire sur les écoles de Pennes-la-Jolie. En termes de budget, effectivement, toi en tant qu'élu, je pense que on est à la hauteur, la commune est à la hauteur de son budget. On est à peu près dans les 500 000 euros, ce qui représente quand même 25% du budget de la commune. Il est réparti comment ? Les répartitions sont assez simples. C'est en général une subvention de 42 euros par élève et 180 euros par classe. Ensuite, la commune permet aussi des transports scolaires et alloue à peu près une enveloppe de 6 000 euros pour les deux écoles maternelles et élémentaires, notamment pour le transport à la bibliothèque, mais également pour la piscine, parce que c'est quelque chose aussi pour lequel les élus tiennent à cœur. Il ne faut pas oublier qu'une école fonctionne grâce à quoi ? Grâce aussi à des fluides, donc tout ce qui est électricité, gaz et eau coûte énormément aussi pour les communes. On est à peu près sur un budget de 23 000 euros pour les deux écoles, ce qui n'est pas non plus négligeable. Bien évidemment, l'alimentation également, puisque il faut savoir que sur la commune de Pennes-la-Jolie, la qualité des repas est vraiment à souligner grâce aux nouveaux cuisiniers que vous connaissez déjà, mais on fera un petit reportage dessus, ne vous inquiétez pas. On alloue pour ça à peu près un budget de 35 000 euros par an, où on privilégie effectivement des produits locaux et des produits bio. Que vous dire de plus ? Maintenance aussi, assurance également, plus de 10 000 euros pour tout ce qui est jeux, pour tout ce qui est également sécurité incendie, sont alloués également dans les écoles. Et la plus grosse charge salariale, ça sera donc pour le personnel. Donc comme je vous ai dit, c'est à peu près un budget de 500 000 euros sur une année, ce qui n'est pas négligeable. Et ce qui prouve aussi que la commune tient vraiment à cœur sur ses écoles. Mon poste également, puisque en tant que responsable du pôle enfance, j'ai été recrutée à ce service-là. Donc je pense que voilà, il y a une réelle dynamique. Et Angélique pourra le confirmer. Et puis on peut même rajouter à ça que nous gardons quand même toutes nos antennes pour l'école. Exactement. De Pont-de-Pennes, voilà, donc c'est quand même très très bien, voilà. Voilà, pour ce petit reportage, merci bien, allez. À bientôt. Donc nous voilà dans la classe de Jean Moulin, de l'école de la classe CM1-CM2, avec une nouvelle table achetée par la mairie. Donc à ce sujet, Jenny, tu peux nous parler du budget des écoles ? Oui, d'ailleurs, petite interrogation, savez-vous qui finance les écoles des communes ? Les mairies. Donc voilà, à ce titre, la commune alloue à peu près un budget de 500 000 euros, donc ça représente à peu près 25% du budget total, global, avec des subventions qui sont allouées à la fois pour que les écoles puissent investir dans des livres, dans des cahiers, dans des photocopieuses, mais également dans des transports scolaires pour les amener à la bibliothèque et également à la piscine. Également, il faut faire fonctionner les écoles avec quoi ? Avec du fluide, hein, donc tout ce qui est énergie, renouvelable ou pas, gaz, électricité, eau, représente un budget conséquent. Et les maintenances également des jeux extérieurs et de la sécurité. Donc, vous pouvez le voir sur le petit tableau écrit derrière. L'alimentation, puisque la commune, Angélique,
La commune investit plus de 35 000 euros pour l'alimentation, avec bien évidemment une charte de qualité, puisque la restauration collective de Pen est reconnue territorialement. Attention, on met en place vraiment des produits bio et des produits locaux, donc circuit court, hein, pour une qualité de repas qui est vraiment exceptionnelle. Et également une grosse charge, le personnel, puisque effectivement on a 250 000 à 240 000 euros de personnel sur l'année. En termes de personnel, il y a 10 personnels, 4 à l'école maternelle et 6 à l'école élémentaire. Donc à ce sujet, Jenny, excuse-moi de te couper, nous gardons quand même toutes nos ATSEM à l'école de Port-de-Paix. Cette année encore, on a réussi à maintenir. Tout à fait, le personnel est donc disponible pour la sécurité des enfants. Et ensuite, on a mis en place énormément de projets, notamment le projet SENEF qui a représenté une somme assez conséquente, où les élèves ont pu bénéficier d'un petit séjour en Belgique, puisqu'on est jumelé avec la ville de SENEF. Projet qui a coûté 7 500 euros et pour lesquels les enfants sont revenus ravis de ce projet-là. Et également, ils sont partis sur Toulouse, au Capitole, pour écouter un petit concert de musique classique. Donc, au-delà de ça, l'amortissement et les emprunts, donc, comme on vous l'a stipulé, 500 000 euros, ce qui prouve effectivement le dynamisme de la commune pour l'éducation. J'ai dit que voilà. Tu peux conclure. Et moi, je vais conclure donc avec le guide du petit écolier qui vous a été remis, où vous trouverez tout le nécessaire, toutes les questions que vous vous posez. Sinon, vous n'hésitez pas à appeler Mademoiselle Jenny, voilà, au Pôle Enfance. Merci.